Bonjour, Lucien Muller, conseiller départemental du canton de Wintzenheim. J'ai souhaité faire cette petite interview pour présenter le travail du département un peu dans la nature, puisque je dis toujours que c'est un travail de proximité et pour moi c'est la définition même du conseiller départemental. En effet, que ce soit au niveau de l'environnement comme au niveau du social, j'y reviendrai un peu plus tard, dans la compétence départementale, nous devons être toujours proches des autres et également proches des élus pour les aider à définir leurs projets, leurs besoins et éventuellement monter leurs dossiers. Alors dans ce travail, je suis accompagné de Monique Martin, où vous avez également pu voir son interview, et nous partageons partiellement ce canton, mais sur les projets importants, nous travaillons vraiment en binôme, main dans la main. Ce canton, il a une économie très diversifiée entre l'industrie, l'agriculture de montagne, la vigne, le vin et le secteur touristique, dont un des symboles est le veilleur de nuit de Turckheim. Nos dossiers, nous les défendons à travers les contrats de territoire de vie initiés par le conseil départemental du Haut-Rhin, et surtout à travers notre compétence obligatoire et la plus importante, qui est le social. J'ai pour habitude de dire que nous accompagnons nos concitoyens de leur naissance jusqu'à la fin de vie. Un des exemples, c'est ici la rénovation et l'extension de la maison de à Wintzenheim.